Bonjour les voyageurs, ravi de vous retrouver pour ce voyage vers l'ésotérisme de l'Asie et de ces peuples que l'on peut caractériser par l'élément air, tant ils vont vers la transcendance verticale. Cette vidéo sera séparée en plusieurs chapitres, naturellement, mais sachez qu'à la fin, je partagerai une expérience de sortir du corps, ou disons-le, un voyage chamanique, où j'ai pu rencontrer ce que certains pourraient considérer comme un animal totem, un double animal ou un auxiliaire. Restez donc jusqu'à la fin, mes amis. Aussi, abonnez-vous, la cloche, les pouces éthériques. J'espère que vous avez un petit thé, et on est parti. Après avoir effleuré les merveilles de l'Afrique, nous voici plongés dans les mystères de l'Orient et de l'Extrême-Orient. Une terre qui présente une multitude de formes d'ésotérisme. Bien sûr, cela s'explique par la superficie du territoire et par la diversité de ses peuples. Nous retrouvons ainsi des ésotérismes premiers chez les Sémanges de la forêt malaisienne, les Thaïdam d'Indochine, plus anciennement les tribus d'Inde comme les Gondes, les Biles ou les Santals. D'autres ésotérismes premiers ont continué à survivre chez les Turcs, les Tibétains et les Vietnamiens, comme une survivance d'anciennes pratiques animistes. Pour rappel, nous nous intéressons aux premières traditions, des premiers peuples de la Terre dans son expression la plus naturelle. Nous laisserons donc de côté le soufisme, le taoïsme et le zen, qui, comme vous l'imaginez, sont des systèmes issus d'un ésotérisme civilisateur. Là où en Afrique l'initiation tribale sera importante, chez les Asiatiques on s'aperçoit qu'il s'agit plus d'un enseignement. En Asie, tout le monde est plus ou moins initié, à des degrés différents. Et la figure centrale de cet ésotérisme sera le chaman. Là où cette place revient au féticheur en Afrique, à l'invocateur en Océanie ou à l'homme médecine amérindien. Aussi, le concept d'esprit est important et il agit en tant que modèle hiérarchique qui vient structurer justement la réalité. Les esprits fonctionnent ainsi comme un mot, déclare Pierre Riffard. Un mot sert à désigner un concept, une chose réelle ou non, ou ne servir que de lien entre d'autres mots. De la même manière, un esprit caractérise une force de la nature, une relation, une donnée du réel. Il donne comme exemple l'esprit des rennes en Arctique et l'esprit de la moisson en Chine. L'esprit, comme le mot, permet de dialoguer avec l'inconnu. Chez les Tungus, qui nous serviront de modèle à la présentation du chaman, l'esprit est une puissance, un esprit maître qui peut symboliser un animal comme le renard ou le renne. Un phénomène naturel comme le feu, ou un territoire comme celui des morts, ou celui du gibier. Cet ensemble est surplombé par une divinité céleste créatrice qui chez les Tungus s'appelle Main. On retrouve ainsi ce même concept d'esprit gardien chez les Mongols et les Turcs, avec les Edgen, qui venaient désigner un lieu sacré, puis l'esprit maître gardien du lieu. Intéressons-nous au mot Edgen, et même s'il faut être prudent, on ne peut s'empêcher de rapprocher Edgen avec Eden, le jardin sacré dans les civilisations mésopotamiennes, et un mot plus récent qui va venir désigner directement des esprits et qui sont les djinns dans les civilisations moyen-orientales. Peut-être une évolution du même terme, après tout un même territoire.
Chez les Thaïs et les Lao, on parle de phi, des sortes d'extra-physiques qui peuvent être un revenant, un génie, un protecteur, une divinité céleste, un génie du sol. Il est habituel pour eux de s'adresser à ces phi pour s'attirer leur faveur ou par respect. Aussi, l'occidental aura tendance à considérer cela comme une superstition, mais il faut bien comprendre que ce qui pour nous est un concept ou un phénomène physique, comme le feu, eh bien pour eux, ça sera l'esprit du feu. C'est une autre façon de caractériser et désigner toutes les données qui fabriquent le réel, les médiateurs. Comme en Afrique, une confrontation existe entre magiciens et sorciers. Les premiers font le bien et les seconds apportent le malheur. Le possédé ou le chaman doit continuellement fournir les preuves de ses pouvoirs car en Asie, comme je vous l'ai dit, tout le monde est plus ou moins initié. Son statut est donc plus fragile que celui de l'initié africain. Une plus grande place est aussi associée à ce que l'on appelle l'ésotérisme des femmes. Bien sûr, elles ont toujours eu une place dans les autres continents en tant que chamanesses, mais c'est bien le rôle de possédé qui lui a toujours été dévolu, là où en Sibérie par exemple, c'est la ligne féminine qui va déterminer si l'on devient chaman ou pas. En outre, elle peut intervenir dans les affaires du clan, faire de la divination pour aider à la chasse et ainsi obtenir une certaine autorité et un respect de par son statut social. Les Tungus vivent en Sibérie. Plusieurs tribus sont Tungus et tous se répartissent le long du territoire. On trouve même des survivances de langues Tungus au sein des Mandchous, au nord-est de la Chine. Ce peuple nomade vit de chasse, de pêche et de cueillette. Chez les Tungus, le chaman a une place importante dans le tissu social, comme je vous l'ai dit. On dit que pour devenir chaman ou chamanesse, il faut recevoir un appel. Ainsi, du monde d'en bas, où règnent les étendues glacées, les déserts infinis et les jungles luxuriantes, un ancêtre chaman, le plus ancien, choisit dans sa lignée celui qui prendra la relève. Il lui assignera un maître chaman, qui l'informera par les rêves qu'il a été choisi. Lui enseignera les chansons, les rythmes, les maladies, les noms et fonctions des esprits. Le chaman Tungus est continuellement entouré par les esprits. Il constitue sa cohorte, qui l'aidera dans ses travaux. Le chaman devient chaman après un rituel où il plonge lors d'un voyage de l'âme au plus profond de l'arbre de la tribu à la rencontre de l'animal mère. Celle-ci avalera l'âme du néophyte et renaîtra en reprenant la forme d'un animal. C'est son double, comme si cette descente avait pour but de se réapproprier une nature animale que nous avons oubliée. C'est avec ce double animal qu'il voyage dans les mondes inférieurs pour guider les décédés ou combattre les mauvais esprits. Avec le temps, son pouvoir s'accroît et cela est symbolisé par de nouveaux atours qu'il ajoute au fil de consécration. Battoirs sculptés en forme d'élan, robe d'esprit, tambour, plastron ou botte. C'est l'esprit qui l'accompagne qui lui dit lequel il doit faire confectionner en premier. Les états modifiés de conscience. Ce que nous expérimentons dans le béton de nos villes, des peuples plus anciens l'ont toujours accompli et l'accomplissent toujours, dans les jungles, les savanes ou les déserts, en ayant pour témoin les étoiles, le soleil, la nature. L'Asie connaît énormément d'autres types d'états de la conscience. En réalité, nous aussi, sans nous rendre compte, nous les traversons au quotidien. Devant votre télévision, votre conscience est altérée. Quand vous vous ennuyez au travail, ou assis dans les bancs de votre faculté à écouter votre vieux professeur, votre cerveau vous met dans un état de conscience modifié. Concentration, hypnose, rêverie, fascination, somnambulisme, ou encore, la plupart du temps, un état hébété. De la même façon, en Asie, les Tibétains étudient les rêves. Le chaman Tungus chante en extase, fusionnant ainsi avec un ensemble beaucoup plus vaste. Les jeunes filles de Bali dansent sans entraînement, en état de transe. Celui qui tire les ficelles du théâtre d'ombre indonésien est possédé par un esprit durant la représentation. Permettez-moi maintenant de vous raconter une sortie hors du corps qui pourrait s'apparenter à un voyage chamanique. Décembre 2019, je suis seul chez moi, en repos. Je n'ai envie de rien faire. Il est 15h pourtant, mais on a l'impression d'un début de soirée. Dehors, j'entends encore la pluie, se mêlant avec les quelques neiges et formant cette mixture grisâtre emplie d'une pollution méphitique.
C'est peut-être le moment pour expérimenter. Mes chances sont minces, mais pourquoi pas? On ne sait jamais. Il fait tellement sombre que la chimie de mon cerveau s'adapterait peut-être facilement à ma volonté d'atteindre un stade propice à la sortie hors du corps. Et voilà. J'ai bien envie de faire un voyage chamanique. J'écoute depuis des années des tambours, juste le son des tambours et rien d'autre. Je déteste l'ajout d'autres instruments ou de bruits de la nature censée apaiser. Non, juste les tambours. Et pas un truc synthétique, hein. Un vrai gars qui tape sur un tambour. Je prends donc mon portable et sur YouTube, je mets ma playlist son chamanique. J'en mets un de 20 minutes. Et puis après, j'enlèverai mon casque, comme à mon habitude, changerai de position, me mettrai en état vibratoire. Enfin, l'état vibratoire apparaîtra comme par magie et à moi l'univers. Je mets donc mon casque et je prends une série d'inspire et d'expire pour vider toute la tension et la morosité hivernale. Le son du tambour retentit et semble vibrer tout le long de mon corps. Cela me donne envie de bouger. Mon esprit se remplit du battement qui ne laisse plus le temps à mes pensées de faire leur apparition. Je reste littéralement comme ça pendant 20 minutes. Mon corps suit une mise en stase habituelle. Le corps se rigidifie, petit à petit. Des images hypnagogiques apparaissent et deviennent de plus en plus prégnantes. Ma conscience fléchit quelque peu et le son se fait plus lointain, comme si on avait baissé le volume. Je me retrouve soudain dans la cuisine et je fais un thé. Non, l'écran mental réapparaît, l'image disparaît dans une volute de nuages cramoisis. La dernière hypnagogie, souvent la plus puissante, et j'ai failli me faire happer par elle. Mon corps est paralysé. La vidéo, j'en suis sûr, est terminée, mais je perçois encore le son du tambour comme une rémanence lointaine. Je perçois dans le même temps une activité quasi électrique, que l'on attribue souvent à l'état vibratoire. Je sens que je décolle, dans le noir, et j'intentionne. Je veux rencontrer mon animal protecteur. Je veux rencontrer mon animal protecteur. Je me sens aussitôt transporté dans un autre lieu. Un endroit sombre, mais qui, au vu des parois, semble être une grotte. En effet, une lumière semble se refléter sur les murs humides. Ainsi, d'un côté, la lumière semble indiquer une sortie, et de l'autre, des ténèbres. Je me dirige naturellement vers la lumière. Soudain, je sens la présence d'un autre être. Je me retourne, et inquiet, je contemple l'approche ténébreuse d'une créature. J'entends même le grognement féroce, celui d'un prédateur, sûr de son approche furtive. C'est un voyage inhabituel pour moi. Est-ce que je serai capable de switcher de dimension, ou de me défendre? Sorti de l'ombre qui le retenait ton corps, je vois une immense gueule se dessiner, et les yeux presque phosphorescents d'un félin aux proportions inhabituelles. Un machérodonte, de la famille des félins, un tigre à dos de sabre. Marrant, je pensais qu'ils avaient disparu. Enfin, pourquoi pas, je ne sais même pas où je suis. Peut-être une instance de mon subconscient, et cet animal serait, oui, mon gardien. Je le sens qui m'appelle. Je m'approche et pose doucement une main sur le côté de sa gueule pour le caresser. Il m'accepte, enfin, encore heureux, s'il est censé être une partie de moi en tout cas. Pensaine, ou quoi que ce soit d'autre, je sens qu'il veut que je monte sur son dos. Je m'exécute, et une fois sur son échine, il prend la direction de la sortie. Je m'accroche à son pelage, c'est que ce n'est pas forcément stable. Une fois à l'extérieur, je m'aperçois que nous sommes dans une autre grotte. Immense celle-là. Le plafond se situe à au moins 10 km. On voit même des sortes de nuages se balader entre de gigantesques formations de stalactites. Un tapis vert émeraude. Une jungle d'une extrême beauté. Tout était vibrant de vitalité. Le tigre poursuivait ainsi sa course en prenant de plus en plus de vitesse. Fonçant à travers les lianes, les fougères et les arbres, avais-je réellement un corps physique qui m'attendait dans le pseudo-royaume qui se faisait appeler réalité? Ou n'était-ce qu'un rêve? Je ne saurais dire. La course était effrénée, et défiait en sensation mes voyages les plus célestes. Très vite, je m'aperçus que le tigre à dents de sabre était moi,
Je voyais à travers ses yeux perçants. J'avais fondu en lui et retrouvé mes instincts de prédateur, fort, puissant et confiant. Jusqu'au moment où la jungle, comme le tambour, se fit plus lointaine. Devint à son tour un rêve, puis l'obscurité, une sensation de tomber, et puis le réveil. Est-ce que j'étais un tigre à dents de sabre, de la dernière ère des grands mammifères, ou un humain? Depuis lors, je me dis qu'il y a un tigre à dents de sabre en moi, ou peut-être que je fais partie d'un tigre à dents de sabre, quelque part, on ne sait où. Et vous ?